L'histoire a commencé en 2014. Nous habitions sur le continent. Marie-Estelle est originaire de la région. Et nous voulions revenir sur la région et nous voulions surtout se convertir. Moi, j'étais dans le commerce depuis plus de 20 ans. Marie-Estelle dans l'administratif, secrétariat. Et nous voulions vraiment revenir aux sources dans l'agriculture. Donc, du coup, on a passé le BPRA, brevet professionnel de responsable d'exploitation agricole, sur le continent. Et nous avions à disposition ici sur la commune un petit terrain qui pouvait nous permettre voilà, de lancer notre activité. Alors les escargots sont venus par rapport à ce diplôme que nous avons passé. Il fallait trouver un stage, donc un stage pour toute l'année. Et nous avions justement, nous étions limités par rapport à la superficie, donc il fallait vraiment choisir quelque chose qui pouvait nous permettre de pouvoir produire et d'en vivre. Et on nous a fait la rencontre d'un agriculteur là-bas dans la région bordelaise qui est un des précurseurs dans l'agriculture. Il nous a ouvert ses portes et il nous a passionné, il nous a transmis sa passion et ce qui nous a fait le choix de suite en l'espace de 10 jours, nous avons fait le choix dans ce domaine-là.